Alors oui, ils ne veulent pas jouer tout le temps. Ils me disent non, non, pas maintenant. Tu comprends mon petit bout, je n'ai pas le temps. Mais j'espère que lorsque je serai grand, je ne serai pas un grand méchant. Mais moi quand je serai grand, je serai le plus fort des géants. J'irai sauver la princesse des méchants. Je serai joueur d'enfant. Les ruisseaux naissent les grandes rivières. Et les rivières naissent les grands fleurs. Moi, enfant, j'ai la tête en l'air. Dans les nuages qu'il vente ou qu'il pleure. Les ruisseaux naissent les grandes rivières. Et les rivières naissent les grands fleurs. Moi, enfant, j'ai la tête en l'air. Dans les nuages qu'il vente ou qu'il pleure. C'était moi enfant, et maintenant je vais vous faire une autre chanson qui s'appelle Au crépuscule. Voilà, avec un petit accessoire. Non, ce n'est pas un appareil dentaire. Qui double, qui roule à toute allure, tel un chauffard inconscient du futur. Le ligne de chemin qui double en superflu. On croise le destin d'âme un peu déchue à ce croisement scintillant. Mais laisse-toi bercer, ne sois pas méfiant. Laisse-toi porter. Tu as le temps, ton instinct, ton berger, comme la feuille au vent, laisse-toi guider. Au crépuscule de la banqueroute, qui se meurt au combat, je crois en toi, oui toi. Tu cours toujours après le temps. Tu les franchis, tu évites d'aller en arrière, sinon c'est fini.
plein de bonnes choses t'attendent sur tous les plans. Redresse les épaules, profite de chaque instant. Plein de bonnes choses t'attendent sur tous les plans. Redresse les épaules, profite de chaque instant. Je crois en toi, oui toi. Tel un funambule qui t'accompagnera. Et toi, tu cours toujours après le temps. Alors, monsieur J, voilà. Comme on dit, est-ce que tu peux nous dire de où tu es originaire et comment tu as eu vent de ce média intercommunal du coup ? Alors, je suis originaire d'Amiens. D'accord. Actuellement, je vis à côté de Boulogne-sur-Mer. D'accord. Et j'ai eu vent de cette émission par le biais de ma belle-mère. C'est vrai ? Voilà. Qui, elle, habite sur le... Qui habite à côté de Cambrai. D'accord, voilà. Très bien. Voilà. Bah voilà, donc c'est une super occasion. Bah, nous, on est super, et puis je suis très content d'être là. On est très heureux de pouvoir du coup t'accueillir pour ces deux chansons. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta pratique de la musique, comment t'en es venu à la musique, un petit peu l'univers qui t'a enrichi, etc. D'accord, bah, je fais de la musique depuis très longtemps. La guitare, ça fait plus de 10 ans, et j'ai tout de suite commencé en composant des chansons. Et, d'accord. Bon, j'ai des compositions qui sont plus ou moins joyeuses. J'ai choisi deux compositions qui sont relativement joyeuses. Sur les deux chansons que je viens de vous présenter, la première parle d'un enfant, de comment on était tous. D'accord. D'accord. Et la deuxième, elle fait un peu allusion à un parcours de vie et la route en règle générale, les lignes de vie, etc. Et comment on avance au final. D'accord. Voilà. Un peu le destin. Voilà, c'est ça, voilà. Le destin et les chemins, les carrefours qu'on emprunte quelquefois. Exactement. Voilà. Alors, en parlant de destin, bah oui, tu as très bien répondu. En parlant de destin, on va faire un gros gros bisou à Aurélien, donc, qui est membre de l'équipe des espaces numériques et qui s'occupe de ce média, qui est désormais papa de la petite Evie. Donc, on en profite pour lui faire un énorme bisou. Il nous manque ce soir à la technique, mais on est très heureux de ce qui se passe dans sa vie et justement de cette destinée qui a pris un tour totalement inattendu, et on lui souhaite le plus de bonheur possible avec la jeune Evie. Ouais. Voilà. Bisous. Alors, du coup, où est-ce que tu te produis ? Comment on peut te contacter ? Dis-nous en plus. Alors, vous pouvez aller sur monsieurj.com. D'accord. On se toutes les dates. D'accord. Voilà, donc monsieurj.com. Et puis après, là, j'ai des dates qui sont prévues sur la Côte d'Opale au mois de juin. Je joue le 16 juin dans un restaurant qui s'appelle Ozen à Vimereux. D'accord. Ils ont des super moules. Je recommande. Et puis je fais la fête de la musique aussi. Ça sera sur une place à Boulogne-sur-Mer. D'accord. Voilà, le 21 juin. Et je joue aussi dans un autre restaurant le 24 juin aussi. D'accord. Après, faut pas hésiter à me contacter par téléphone, par mail, c'est super simple. Mon téléphone, c'est 06 63 36 87 47. Il sera un plaisir de venir jouer. Alors, 63 36 87 47. On a un bon commercial pour le premier musicien qu'on accueille. On est vraiment très heureux d'avoir un musicien parce que, pour tout dire, on n'a pas eu énormément de contacts via des musiciens. Alors, on essaie de relancer. Alors, normalement, notre prochaine programmation, c'est des harmonies municipales. D'accord. Donc, on sera voilà. Donc, à mon avis, courant juin, on devrait peut-être commencer avec l'harmonie de Bapaume ou de Croisy. On verra laquelle est la plus prompte à répondre, et on essaiera de faire ça en extérieur. Voilà. Ah, donc là-bas en bas. Donc parce que pour l'instant, tout le monde, à part dans la première vidéo, vous n'avez pas vu l'extérieur du studio, de là où nous sommes à Croisy. On espère pouvoir faire une émission en extérieur bientôt. Malheureusement, on est très tributaire des conditions climatiques. Mm-hmm. Et vous, habitants du Sud-Artois, vous savez ce que ça veut dire d'être tributaire des conditions climatiques, puisqu'on connaît les événements qu'on a connus depuis deux semaines. Voilà.
Et en espérant que rien ne se reproduise, je pense notamment à Vauvrecourt. Maxence habite notamment à Vauvrecourt et il nous a raconté un peu, il était un peu en reporter sur place et c'est pas forcément évident. On n'imagine jamais ce qui peut se passer quand il y a une hausse de la montée des eaux comme ça, avec, avec des cours d'eau qui débordent, etc. Enfin voilà, donc c'était... Donc, je t'avais demandé des chansons joyeuses et moi je finis par une note moins joyeuse. Donc, est-ce que tu as une blague pour nous ? T'as déjà fait une. T'as pas une blague préférée ? Une blague préférée ? Pour de finir sur une touche joyeuse. J'ai des chaussures qui sont presque assorties au canapé qui est super. On aurait voulu le faire exprès, on aurait pas. On va clore là-dessus. D'ailleurs, tu nous as dit que tu aimais grave le canapé, oui, et que dans le spectacle que tu montes, tu aimerais bien justement pouvoir aménager un salon sur scène, c'est ça ? Voilà, j'adorerais faire ça. Voilà. Donc, on en profite pour rappeler que ce canapé nous a été prêté par la ressourcerie AIR et qu'il est à vendre. Donc, profitez-en. On en parle juste après, d'accord ? Ça roule. Eh bien, merci de nous avoir suivis en direct du studio à Croisilles pour cette 9e édition du Média Intercommunal du Sud-Artois. On vous dit à demain en direct de la fête du jeu. Bonne soirée, puis ben, bonsoir, monsieur J. Ouais, merci beaucoup.